Donc, on part toujours d'une caresse de Roquefort, signature maison. Et là, on va carrément, on y va, franchement. Franco, faut y aller, faut que ce soit bien croustillant sur le palais, sur... Hop là. Parle-nous un peu du café, c'est quoi ce café? Alors là, on est sur un Yémen qui va vraiment venir compléter et adoucir. J'aurais jamais imaginé manger du café comme ça en poudre avec du Roquefort. Et là où on vérifie le bon accord, ça il faut vraiment le tester, c'est la complémentarité de deux produits. C'est que tant qu'il y a du café, on a envie du Roquefort, tant qu'il y a du Roquefort, on veut du café. Ça excite toutes les parties de la bouche en fait. Il y a vraiment quelque chose là qui se passe là en bout de bouche. C'est assez explosif, c'est assez addictif en même temps. Hein. La petite caresse de Roquefort qu'on vient de faire enrobée de café en poudre, l'intérêt c'est d'y associer quand même cette infusion froide. Elle va nous permettre de nous nettoyer la bouche et d'augmenter le goût qui nous attend plus juste avant. Et donc une infusion froide, c'est en fait un cold brew. On le met dans un récipient, on met la bonne mouture, la bonne quantité, on laisse infuser le temps qu'on a choisi, 12 ou 24 heures, ou entre les deux si on veut être très précis. Et voilà, et on a un concentré à la fin. Une fois dilué, on a une belle couleur orange, on a quelque chose de très café, presque un cognac en fait finalement. Comme un grand cru. Voilà, exactement. Et on a commencé à jouer dans la mousse du café. Vous avez vu cette douchette qu'il a pour faire cette mousse de café? Eh bien, on a juste trempé le Roquefort pendant le café, mais dans la mousse. Et là, on a quelque chose d'absolument magnifique.